Mais quand les scientifiques soulèvent des questions, quand les scientifiques soulèvent ce qu'on appelle des problèmes, ils proposent des réponses, ils proposent des solutions, n'est-ce pas? Or, la philosophie doit être critiquée parce que c'est une discipline qui met en avant le questionnement sans réponse. Le philosophe te dira tout ce que le fait, c'est que je ne sais rien. Il ne sait rien, mais il ne va pas simplement se limiter à dire je ne sais rien. Il va soulever ce qu'on appelle des questions auxquelles il ne va jamais répondre. Le philosophe se définit donc comme étant l'artisan des questions sans réponse. Mais on verra très bien que le philosophe se définit aussi comme étant celui qui soulève et qui utilise des problèmes sans proposer de solutions. Par conséquent, la science a plus de valeur que la philosophie, n'est-ce pas? Mais on verra très bien que cette science-là, dans l'entité, peut ne pas être plus valeureuse que la philosophie. Pourquoi? Parce qu'on a dit, la science est bonne, mais la philosophie est aussi bonne. Pourquoi? Parce que c'est la philosophie qui conscientise la science. Si c'est la philosophie qui constitue ce qu'on appelle la conscience morale de la science, on ne peut pas choisir la science et laisser de côté ce qu'on appelle la philosophie. Parce que la science sans la philosophie ne mènera pas vers le chaos, n'est-ce pas? Et on verra très bien que cette philosophie-là est utile. Pourquoi? Parce que la science ne donne pas réponse à toutes nos questions. La science étudie le concret, n'est-ce pas? Ce qui signifie qu'il est impossible à ce que le scientifique ait cette capacité-là à répondre aux questions qui sont liées à notre existence. Les questions métaphysiques, la science ne peut pas les répondre. Pourquoi? Parce que ce sont des questions qui sont liées à des choses qui sont imperceptibles sans réellement. Donc la science qui devient aussi insignifiante par rapport à cette question-là, a besoin de la philosophie. Parce que dans ce cas-là, c'est la philosophie qui va répondre aux questions existentielles, les questions des sens, de l'origine et des finalités. N'est-ce pas? Mais on verra très vite aussi, la philosophie est une culture comme la science. Pourquoi? Parce qu'on verra que la philosophie sera une philosophie qui va donner à l'université intellectuelle. Parce que si philosophie c'est réfléchir de manière critique, réfléchir de manière critique revient à se libérer de ce qu'on appelle des préjugés. C'est-à-dire tout ce qui se définit comme étant une vérité dans la société, le philosophe va le rejeter. Et quand il le rejette, il devient libre de manière intellectuelle. Je vous remercie.